بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث 1850. وعنها قالت عبوتيت جوبا أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها لجيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فينجيا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Celui qui content pour joindre Allah, alors Allah content pour joindre lui. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Et celui qui détestait pour joindre Allah, alors Allah détestait pour joindre lui. فقلت للا عائشة رضي الله عنها جيا مفين جيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكراهية الموت إسكي سي ديتستاسيون pour l'amour ça إسكي quand nous pouvons détester pour joindre Allah là c'est détestation pour l'amour ça فكلنا نكره الموت mais nous tous chacun parmi nous les détester l'amour c'est un affaire naturel ça. قال الو رسول الله صلى الله عليه وسلم ريبون لجيا ليس كذلك لباكم ساسا ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاءه. Mais quand un مؤمن un croyant لي جاي بون نوفيل كي الله بوي سو رحمة لولي لي جاي بون نوفيل كي رضوان الله سو رضوان لي جاي سا وجا الله سو ساتيسفاكسيون الله ان كونتان ساتيسفي افيك لي اي جنته كي الله بو دون لي جنات لالا ديفينيتيفمون احب لقاء الله لي بو كونتان بو جوين الله فاحب الله لقاءه اي الله لي بو كونتان بو جوين لي الله لي كونتان بو جوين لي وان الكافر مي باكون ان كافر اذا بشر بعذاب الله كان لي فين جاي نوفيل كي لي بو غاني الله سو بينيسيون وسخطه كي لي بو غاني الله سو كولير كره لقاء الله لا ديفينيتيفمون لي ديتيستي بو لي الزوين الله وكره الله لقاءه اي الله لي ديتيستي بو زوين لي. Alors ce hadith là, ce deuxième partie, il explique ce premier partie. Celui qui content joindre Allah, Allah content joindre lui. Celui qui détestait pour joindre Allah, alors Allah détestait pour joindre lui. Alors nous trouvons là-dedans qui ça pas content mot détester l'amour là, c'est une affaire naturelle tout du monde ça comment عائشة رضي الله عنها لجيا فكلنا نكره الموت نتون ديتست الامور دايير سي ان ريفلكس ناتوريل اني كي شاك دي مون انا اي كما نون ابران سيمين ديرنيير ان دي بان اوبجيكتيف شريعه سي كيتي سي بريزيرف لا في الو طول تان نون مان ريفلكس اتانسيون نو مو اتانسيون نو غيان مان بروبليم الو طول تان نو انا مان بريكوشن نو بي بران pour préserver nous contre l'amour, pour préserver nous contre n'importe qui quelque chose pour amener là-bas. Donc parce qu'il nous a sa qualité là dans nous qui nous besoin évite l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala met ça dans nous. Et il y a une bonne affaire, nous besoin pas penser à travers ce hadith là qui à cela nous besoin pas détester l'amour, les qui est content nous besoin aller dans les nous dans l'amour. Non, c'est pas ça qui dit une personne, c'est pas ça que ce hadith là veut dire. Ça pas veut dire qui quand un démon lui peut perdre pour moi, lui peut prendre sur précaution, ça veut dire qui Allah pas peut content pour joindre lui. Non, c'est pas ça du tout. Alors, hadith là, comment l'explique nous, c'est qui avant un démon mort, lui finit gagne une nouvelle. Il y a beaucoup de démons comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala finit informe lui. Et nous connaît l'amour, c'est ça même sa pont qui a levé Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même, parole là courant qui joindre Allah, comment nous trouver ici? Liqa Allah, il y a le joindre Allah. Joindre Allah, c'est une expression, comment dire, c'est un voyage qu'un djimoun peut faire. C'est même qu'il nous appelle intiqal. Il peut sortir d'un état, il peut aller dans l'autre état. Un lémon, puis aller dans l'autre lémon, il peut aller joindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, ce test, c'est l'examen infini. Il y a pour gagner un résultat. Résultat, il est capable de gagner Allah sous satisfaction, ou soit qu'il est capable de gagner Allah sous colère. Donc, un mu'min, ان قومي بان اولياء الله سو ولي لي لي غاي بون نوفيل كي الله ان كونتا اويك لي الله ان بادون لي الله ان في رحمت له لي الله ساتيسفي اويك لي الله بودون لي جنات ساجي مون لا ديفينيتيفمون لي كونتا بو جوين الله اي الله اوسي كونتا بو جوين لي نو كوني ايات قران بيان كوني
الله سبحانه وتعالى جاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ستان موب الله سبحانه أولياء لا خوف عليهم جد با غاين بير ولا هم يحزنون جد با غاين تراكا جد با غاين بير كي فير جد با غاين بير دو كما دي سي كي فين اريفي دان دنيا سي كي انا دان دنيا جو با بير ولا هم يحزنون اي كوتي اخره تو سي جد با بير جد كوني الله ان غراسي جد الله ان اكسبتي جد جو بين تراكا Dans ça l'état là, quand avant je trouve sorti, je ne finirai pas dans ça l'état là. Et là nous gagnons un nafsul mutmainna. Alors ayat Coran continue. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Banjimun qui fin amen iman et qui fin fait taqwa. Awliya Allah ici pas nécessairement ou pense-li ban grand awliya qui bien connu. Chacun parmi nous capable de parmi ban awliya. D'ailleurs c'est ça même nous aspiration. Nous peut travailler dans différents degrés aulia. Alors même un petit degré nous capable vin aulia Allah. Nous diman Allah subhanahu wa ta'ala. Li ki li fe nous vin parmi ce ban aulia. Alladhina amanu banjimun kina iman wa kanu yattaqun et banjimun ki dans la vie je fais taqwa. Ayat Quran continue lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Pour vous, il y a Bouchra. Bouchra veut dire bonne nouvelle. Pour vous, il y a bonne nouvelle dans la dunya et dans l'akhirat. Ça même, ça bonne nouvelle. Là, ça. Avant la mort, je ne finis qu'une bonne nouvelle. Et là, je suis content pour vous, Allah. Et Allah aussi content pour vous. Allah content pour vous, pas à cause de vous content pour vous, Allah. C'est lui qui n'est pas content pour vous, Allah. Allah pas content pour vous, ni pas à cause, ni pas content pour vous, Allah, non. À cause de la sifat qui nous finit d'écrire. À cause de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala insatisfait avec lui pour donner lui, ainsi de suite. Alors, tu as l'air, tu peux dire, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ô toi, nafs qui mutmain, qui tranquille, qui apaisé. C'est à un moment-là, nafs là, il est apaisé. Parce qu'il dit, La khawfun alayhim wa la mihzanun. Il n'est pas peur, il n'est pas gain traka. Irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Retourne vers ton Rab, radiyya. Satisfait. Ça veut dire te dans un état de satisfaction. Mardiya veut dire Allah est satisfait avec toi. Toi te satisfait, Allah est satisfait avec toi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi. Alors rentre parmi mon bon banda, mon bon ibad, mon awliya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Et rentre dans mon jannat. C'est la fin de surah Al-Fajr qui nous tout connaît. إلى أن رواية أن واقعة إمام فخر الدين رازي رحمة الله عليه اللي راكمته لسو تفسير لجيا كي سيدنا إبراهيم عليه السلام لتا ملك الموت ببنت يسرو لجيا avec ملك الموت est-ce qu'il te déjà trouve un خليل qui peut faire tiens روح سو خليل comme on connaît إبراهيم عليه السلام c'est خليل الله خليل veut dire camarade proche pour Allah سبحانه وتعالى Alors, tu as déjà trouvé un khalil, un camarade proche, peut faire tiens, roux, ce camarade. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait wahi, fin inspire lui. Fa'auha ilayhi, comme il y a dans le texte là. Ça veut dire, oh Ibrahim, est-ce qu'il te déjà trouve un khalil qui n'est pas content pour retourner vers ce khalil, qui n'est pas content pour joindre ce khalil? Et là, quand les fin tant ça, les fin gagne ça, les dit avec malakul maut, tiens, roux, haste. Parce qu'il est content pour joindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, la crainte pour l'amour là, normale. Mais seulement, qui nous prépare pour ça l'amour là? Ça, c'est question qui nous impose, nous, à ce terme. Qui nous fait préparer pour ça l'amour là? Alors, Rasoul, salam, il montre nous, c'est lui qui est dans l'iman. Alors, il est pour gagner bonne nouvelle. Pour nous capables de gagner sa bonne nouvelle là, sa moment là, côté na un nizar, côté petit rouh. Faudrait qu'il la vie là, fin amène vers sa bonne nouvelle là. C'est pas loterie, ça. Il n'y a pas une part de chance, ça. Il faut dire que les gens, alladhina amanu, wa kanu yattaqun. Ben, les gens qui font amener l'iman et qui font montrer ta quoi. Donc, les gens là, ils sont orientés vers Allah. Ça veut dire, depuis le commencement, dans la vie même, ils sont orientés vers Allah. Ils ont envie, ils ont envie de joindre Allah. Ils ont envie de rapprocher avec Allah. Alors, tout le temps, ils peuvent faire des efforts, ils peuvent penser à Allah, ils peuvent penser à l'akhirat. Et le temps arrive là pour les mots. Allah subhanahu wa ta'ala récompense-lui en place. Donne-lui sa bonne nouvelle-là. Comment dire, apaise-lui. Ça l'est là, nous disons, si posé, paix à l'amour, lui non. Quand il donne-lui sa bonne nouvelle-là, il est extra content, c'est-à-dire, ça même qui me tient envie. Comment dire, il y a envie qui,
Il joigne Allah. Et là, lui aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, content vous joigne. Mais par contre, celui qui les fin préfère la vie, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya, je donne préférence la ville ou la terre. Ça veut dire, ou soit, comme il y en a beaucoup de kafirs, je ne pas croire dans Allah. Il ne pas croire même dans Allah. Qui les peut envie joindre Allah? Je ne pas croire dans l'akhirat. Je ne pas croire qu'ils pourraient relever, je pourrais rendre compte. Je ne pas croire qu'il vrai la vie là, c'est l'autre la vie ça. Ou soit il y a un musulman même qui lit dans raflette. Tellement dunia, il a valé que il content sa dunia là, il développe l'amour pour sa dunia là. Sur l'amour pour dunia, il ne surpasse sur l'amour pour Allah. C'est là quand on peut dire, il quitte sa dunia là, lesquels arrivent. Là, il n'est pas content, il calcule sa famille, sa logement, son confort, son bon plaisir qu'il peut gagner dans la dunia. Il est attaché avec sa dunia là. Imaginez ça, là qui peut arriver. Il n'est pas fini de préparer pour joindre Allah. Imaginez ça, kafir là qui, à ce là, sa voix là, il est levé, à ce là, trouve la vérité. La vérité qu'il peut régner, possiblement, il trouve l'île, mais il tourne sur les dos. À ce là, ça paraît en grand devant lui. Il finit là, qu'il est pour faire? Il n'est pas envie à le devant. Il a envie de retourner dans la dunia là, mais seulement, un seul simé, il y en a pour lui. Alors, ça dit, mon là, il déteste pour lui joindre Allah. Allah aussi déteste pour joindre lui. Ben, ulama explique-nous qui Allah va détester pour joindre lui parce qu'il déteste pour joindre Allah, non. Parce qu'il, lui-même, il choisit sa simé là, il choisit, il tourne les dos avec Allah, il choisit simé jahannam, c'est même lui pour gagner. Allah pas tient envie de, Allah pas content pour donner du monde jahannam. Allah pas content pour donner du monde punition. Mais seulement, comme Rasoul Sallam dit, tout le monde pour gagner jannat, excepté celui qui refusait. Si un jour pas pour gagner jannat, c'est parce qu'il par lui-même ce choix il fait refuser. Autant possibilité il fait gagner, autant la vérité il fait trouver comme une fois, il fait refuser. Alors c'est lui qui choisit ça. C'est ça qui Allah pas content, qu'il n'a pas envie de punir. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Donc comme ayat Coran dit nous, un jour qui fait préférence dunya ou akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna alladhina la yarjuna liqa'ana. Ben, dis qui, je ne pas si souhaite pour joindre nous. Allah peut mettre lui au pluriel, il peut dire nous. Comment dire, il peut dire, ben, dis qui pas si envie de joindre moi, qui pas si souhaite pour joindre moi. Je ne pas si peux, espère pour joindre moi. Wa radu bil hayati dunya. Et je te fin satisfait avec dunya. Ça même tout pour j'être là. Je te content dunya, je te happy là. Pas vin bouz, je te depuis là. Je te pas intéresse, joindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tma'annu biha. Et je te fin gagne plaisir, je te fais gagner tranquillité et maintenant dans la dunya. Je te donne ce qu'ils nous appellent comme faux zone. Qui arrive? Walladina hum an ayatina rafilun. Ça va dire mon là, je te rafil depuis Allah subhanahu wa ayat. Ayat qui veut dire, man signe. Alors ça va dire mon là, Allah continue à voir signe pour je te. Continue à montrer je te. Man signe qui montre je te la vérité. Quand on trouve kafir, quand on trouve un jimon qui peut pas plus accepter Allah. Allah peut recevoir les autres signes. Peut-être nous pas pour connaître. Entre lui avec Allah, qui est là? Qui Allah peut montrer lui? Qui peut venir devant ce lisier dans ce l'esprit? Nous pas pour connaître. Mais comme Allah dit, montrez les autres signes, je te rafile, je ne pas prendre compte, je tourne les deux. Alors, ça va dire là qui peut gagner une mauvaise nouvelle, comme à la coule mort pour venir avant la mort. Et ça va dire là qui n'est pas content pour jeune Allah. Donc, nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ce man awliya. Nous venons parmi ban qui, comme on dit, alladhina amanu wa kanu yattaqun, ban qui fin amène vrai iman et qui fin montrer ta croix, afin que, comme Allah dit, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, je ne parle pas un père et je ne parle pas un tracas, la humul bushra fil hayati dunya wa fil akhira, vous êtes une bonne nouvelle dans dunya et dans akhirat, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous joindre sa bandimun la, fait nous rester avec vous, gagner vous sohbat. Fais-nous vin pareil comme à zot, vin parmi zot, mort ensemble avec zot, élevé ensemble avec zot. Manjimon qui fin gagne Allah subhanahu wa ta'ala sur les douanes, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait, qui nous content joindre lui, et qui lui aussi lui content joindre nous, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait, qui sa dernier moment, la terre là, quand nous rouvre, sorti, sa même meilleur moment qui nous est dans la terre. Et ce moment là, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin montre nous rahmat, qui Allah finit purifier nous, il pardonne tous nos bons péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala finit satisfait avec nous. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.